Encore un hôpital bombardé et encore une enquête. La coalition arabe au Yémen, sous commandement saoudien, va donc mener elle-même des investigations après son pilonnage meurtrier d'un dispensaire de Médecins Sans Frontières lundi. 11 personnes ont été tuées et 19 autres blessées. Les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude. Le secrétaire général note que les partis en présence au Yémen ont endommagé ou détruit plus de 70 centres de soins, dont 3 dispensaires de Médecins Sans Frontières. Il est profondément troublé par l'intensification des frappes aériennes et la poursuite des combats sur le terrain et les pilonnages, en particulier dans les régions habitées. Il s'agit de la 3e frappe aérienne faisant des victimes civiles depuis samedi dernier. Cet hôpital de MSF est situé à Habs, dans une province du Nord aux mains des rebelles. Les équipes médicales n'osent pas évacuer les blessés par crainte de nouveaux bombardements.